toutes et à tous, bonsoir, salut, cela dépend de l'heure que vous nous suivez sur le www.congostate.com, votre site internet que vous aimez. Nous sommes là pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes déportés jusqu'ici à Birsan, dans le cadre toujours de faire découvrir nos frères et sœurs en Christ qui sont en train d'évoluer, puis qui ont beaucoup de projets. Tel qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous un grand artiste musicien chrétien qui nous est venu depuis, ça fait quelques jours. Il passe son séjour ici aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr qu'il fait ses petits déplacements partout, partout ailleurs. Et aujourd'hui, il est ici à l'église de Torrent de Kerit à Burston, Illinois. Nous sommes ravis de le recevoir. Papa Jean-René Balekita, salut. Oui, salut bien-aimé, salut, c'est un privilège. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Vous le connaissez bien, ce n'est pas encore un homme à présenter, mais aujourd'hui nous voulons mieux passer notre interview en Lingala, parce que cela va toucher d'abord notre première couche, c'est le Congo, puis on va aller au-delà pour faire découvrir encore mieux à ceux qui veulent s'intégrer dans notre style peut-être, puis faire découvrir d'autres styles qui nous amènent, d'autres promotions qui nous amènent. C'est juste pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Papa Jean-René Balekita, comment séjourne à Ezoleka? Séjour à Ezoleka, malam, par la grâce de Dieu, je suis venu avec le groupe Nangai, mon bimba Toza 7. On joue, Bisikanyon Soubazo Bengabiso, il y a des tournées. Nous étions à Iowa City, nous étions à Galesburg. Na Birdstown. On a un concert ce samedi 8 dans une communauté à Bamindele. Donc, photo qui est à Iowa City et puis photo qui est à Kansas City. Puis nous avons un autre concert au mois de septembre devant la communauté africaine des étudiants de l'Université de Illinois, Uvalde. Donc ça sera le 12 septembre et après Torokende à Chicago le 16, le 17, le 18 et puis le 25, le 26 et le 27 Tozana à Kansas City et le 30 Tozana à Missouri. Donc parcours Ezamoulaï, ce qui vraiment vous en est en Zambé, ici quand vous avez les étoiles qui ont brillé, voilà pourquoi on attend Oyo. Papa Jean-René Balekita a sillonné partout et a sorti la trace, a vraiment sollicité. Maintenant, ça fait un temps que Oya a sorti aux États-Unis d'Amérique. Otika biso mwakala, les bilogoni ni amalamu sousso et libiso po yo zala na biso souvent. Non mais c'est bien, c'est vrai que ça là qui moi Mikolo, parce qu'on était là, j'étais là avec mon groupe en 2009, après tout qui tournait en Europe et puis bon et. Je suis un peu qui était lié à l'étude parce que j'ai continué aussi les études dans le domaine. Je devais prendre mon bachelor en animation culturelle et développement. Alors ça m'a demandé parce que 2 ans, il fallait rester sur place et tout ça, et puis la recherche. Et puis bon, de toutes les façons, au-delà même, il y a lobby, je suis allé à Nzambé. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il faut planifier, mais ce qui a permis de traiter, c'est comme ça la maté. Mais là où tu t'attends le moins, s'il a planifié, a pessi, faveur depuis le ciel, ça s'accomplit. Ah, voilà. Et donc on est là, on est là, on a. En tout cas, tous les Nabissos libres et disponibles pendant tant où nous sommes tous, tous les Alars et à ces jours Nabissos. Papa Jean-René Balekitaza, ceux qui ont l'inga, qui ont sa coordonnée naïe, pour vous contacter dans ces jours naïe. À Rosala Yango, ils ajustent rapport à Lokumu Yanzambe. Mais Azaliawa a un produit Oyo, à Kolaxabiso. Papa, n'habitez pas la Sinamoni, sur le Sanabande Kobilo, Nino Mimelibiso. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui vont contacter Yo, ils vont CD, DVD. Parce que bon, tu vois, il y a plein de trucs qui se font sur YouTube, les gens piratent et tout. C'est pourquoi on passe par des personnes comme ça. Donc, tout ça, naba DVD, naba CD. Si ça vous intéresse, il y a ko zoyango, bo bengi kaka Congo State, il sait comment, disons, il va servir de pont. Voilà. Vraiment, tout ça, est disponible, vous voyez, tout ça, l'ango souvent, on va dire que Bélé, Baléka, Awawa, tout comme c'est l'abino, ma produit, nabango. Vraiment, ils ont commenté, ils ont commenté, ils ont dit qu'ils ont été en Zambé, ils la musique chrétienne, pays de la bonne musique. La nouveauté, ils ont Bolingaka, telle que Bastille. Télémane Kembo, Télémane Kembo, Dieu fidèle, Genou,
Non, c'est l'album. Si tu vas adhérer. Parce que si tu parles tout ça, tu vas te trajet à la longue. Milaï. Donc, dans le côté de la Aïe, tu se sentis la présence en ça. Non, ils seront bénis, ils sont bénis. C'est l'œuvre, notre œuvre pour le roi. C'est l'œuvre de Dieu. Ils seront bénis. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup dans ces jours. Il y a papa Jean-René Balekita Awa. Tolobi Boye, juste pour nous soutenir Moussa Nzambe. YouTube a facilité biso koyogane mais nakata mutuka jamais aux abilo YouTube otia somba cd nayo pour contribuer aux ara extrait sans sert à rien somba cd nayo contacter biso to oleki na église oyo papa Jean Auti Kotanga na Birstown au torrent de Kerit na Ayoa Siri je pense l'église ezali to kozaba communion sona prochainement to annoncer bino na cadre toujours à annonce pour nous sabino ba place nini boki kozaba produit na bango. Alors to lingi to kabona papa Jean René Balekita ce qui rose un message mon repé sa bandeko message nous devons avoir la foi en Dieu et croire en sa parole parce que Dieu est fidèle et vivre sa parole pour que tous à la témoignage à travers bato oyo ba ko mon abisso na environnement na biso ba bisika ya misala ba bisika ya kotanga tout et tout que nous reflétons Christ pour que ba pambola nzambe na to ndimela Yesu Masia pe ba oyo ba yebiété et à l'occasion pour Batika Misala Oyamabe Balanda Babila Yesu Masia. Voilà, être la lumière du monde. Être la lumière du monde comme notre papa Jean-René Balekita dit. Donc tous à la vraiment bateau yo Togolanda Christ parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc restez scotché sur le toit www.congostate.com parce que toi qui na cadre ya consécration ya basali ya Nzambe na sika Bolanda moi ba extrait ya cérémonie to ya makambo le kakiawa pour boza musika na bisoté donc Congo c'était taza partout pour nous servir bino toujours donc restez scotché pour bolanda moi d'extrait oyo on se retrouve tout juste après merci. Dans cette parabole comme nous avons dit Jésus nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il nous montre cette catégorie des gens pour que ceux qui sont appelés, qu'ils sachent à quoi ils ont affaire à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. La première catégorie qu'on a dit ici, ce sont des excuseurs. Ce sont des gens qui trouvent toutes sortes de raisons pour rejeter, décliner l'invitation de Dieu. Les excuseurs, c'est la catégorie des gens qui sont satisfaits de leurs conditions sociales. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. L'un a dit que je viens de me marier. L'autre dit que et j'ai acheté un champ. Donc, des gens qui s'excusent quand vous leur annoncez la parole de Dieu. Vous pouvez aller vers lui, lui tendre une invitation. Vous pouvez aller vers lui, lui parler de Jésus-Christ. Mais il a toujours quelque chose à vous dire. Amen. Amen. Je m'excuse parce que mes amis, j'ai toujours l'habitude d'écrire. D'écrire mes prédications. Ce genre de personnes que Dieu va mettre sur notre chemin, nous devons les connaître. Des gens qui s'excusent à tout moment. La ville de Birstown est pleine de personnes, blancs comme noirs, parce que la parole est venue à tout le monde. Pas seulement les noirs que nous sommes, mais aussi les blancs qui nous devons amener la parole de Dieu. Mais vous trouvez des gens qui vont s'excuser. Alors, nous avons l'avantage
à connaître ces personnes-là. Donc, ne vous étonnez pas, quand vous serez dans votre exercice, dans vos fonctions, de trouver de telles personnes. Ceux qui sont déjà dans le mystère, ils connaissent ça, ce que j'ai dit. Donc, je disais que pour les contraindre, il faut utiliser la puissance de l'amour de Dieu, qui est capable de transformer quelqu'un. Ce n'est pas vous qui le transformez, mais l'amour de Dieu qui va le transformer. Parce que la puissance de l'amour de Dieu change les orgueilleux en personnes humbles. Amen. Amen. L'amour, la puissance de l'amour de Dieu change les voleurs en donateurs généreux. L'amour, la puissance de l'amour de Dieu change les personnes les plus dissolues en personnes intègres et pures. Amen. Amen. Ça, c'est la catégorie des modérés. Enfin, quand je suis entré dans cette salle, je ne sais pas ce que moi je vois, si c'est ça que vous voyez. Je trouve tout le monde très beau. Tout le monde. Vous êtes beau. Merci. Vous êtes très beau. Merci. Vraiment. Dieu a fait des jeunes gens, a fait des hommes et des femmes très beaux. Amen. Applaudissez le roi. Ce sont des bien-aimés que Dieu avait appelés avant même qu'ils ne soient conçus. C'est comme nous lisons dans la Bible. Vous aimez bien lire Jérémie chapitre 1er. Laisse-moi nous dire que lorsque Dieu appelle, Dieu ne regarde pas ton statut. Il ne regarde pas ta famille restreinte. Oh, chez nous, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de jupe, il n'y a pas de travailleurs. Oh, chez nous, il n'y a pas je ne sais qui, je ne sais quoi. Dieu, lorsqu'il appelle, il appelle. Et lorsqu'il appelle, il confirme l'appel par le ministère. Amen. Félicitations. D'avoir accepté l'appel de Dieu et d'avoir aussi accepté d'exercer la mission que Dieu vous a confiée. Félicitations. Vos sincères félicitations. Alors, nous allons donc vous présenter de qui il s'agissait et de qui il s'agit maintenant. Amen. Parce qu'ils ont totalement changé de fonction. Et celui qui est à ma droite maintenant que je présente, ce n'est plus l'ancien Basi, c'est maintenant le pasteur Basi Zamba. Est-ce que vous applaudissez le Seigneur? Allez, applaudis encore. Nous sommes contents d'être à ses côtés. Et parce qu'il a la mission de Dieu, c'est à titre symbolique et nous vous remettons cette Bible. C'est ça l'arme pour aller vers toutes ces catégories qu'on doit prêcher ici afin de les amener vers Jésus. Chers pasteurs, que Dieu vous bénisse. Comme disent les Américains, good luck dans votre mission. Pour ceux qui veulent des photos ou quoi, il est disponible. Amen. Est-ce que tu t'as encore applaudi? L'église Torrent des Guéris, parce qu'il est maintenant pasteur à l'église Torrent des Guéris, nous lui décernons un certificat d'honneur. Ensemble avec la maman, que Dieu vous bénisse. Alors je tourne de ce côté, c'est lui qui est à ma gauche. Qui était
ancien émérite, Daddy émérite, désormais avec ses bons enseignements, avec ses précieux enseignements que j'aime, Dieu l'a reconnu et nous l'avons aussi reconnu. Il s'appelle maintenant Docteur émérite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors la titre est symbolique. Nous vous donnons la Bible, la titre est symbolique. Et avec l'honneur aussi de vous décerner ce certificat d'honneur qui reconnaît en vous ce que Dieu a placé en vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi la maman. Merci. Congratulations. Encore à ma gauche. J'avais déjà soupçonné ce qu'elle était parce que depuis son arrivée, elle est restée la même. Amen. Elle chante aussi très bien. J'ai eu l'occasion d'écouter son album dans ma voiture. Elle a déjà un CD et un DVD. Alors, si vous avez besoin de ça, veuillez me contacter. Elle chante aussi très bien. C'est l'évangéliste Merit Boholo. Amen. D'honneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse également papa. Alors également à ma gauche, vous voyez, il est plus géant que moi que tout ça. Et il était considéré et connu comme le berger Alain. Il est venu avec son titre de berger. Mais nous avons reconnu en lui, il y a une capacité extraordinaire, une particularité, c'est que aujourd'hui, il va porter donc le titre de l'évangéliste Alain. Yeah. Amen. Ça c'est la Bible et la parole de Dieu. Et ça c'est votre certificat d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse également la maman. Ensemble nous allons acclamer et pousser des cris de joie. Donc se saluer les uns les autres, ils vont se saluer et ils vont reprendre leur place. Nous allons passer à la deuxième étape.